Good morgen, allez, Ida, les sur aujourd'hui, les lunes Nishmat Chayester Bat Myriam, ainsi que les refouats Olivier, Israël Shimon Ben Chayester, Khamshat Myriam Bat Roselena, et Benyamin Ben Chviba, et aussi, je vous demande de prier aussi pour moi, Ari Meir Ben Machlou, Ben Joël Yola Taïta, j'ai l'impression que ça y est, j'ai chopé le virus, quoi. Je fais de mal à Dika, et je vous irai, j'espère pendant que ça ne pas de dérangement cette semaine, que je pourrai continuer à rester à la maison, tourner les cours, et donc priez pour moi vraiment que ça ne s'empire pas, Ben Hashem, et on démarre tout de suite, Maserhet Shabbat, Perek Ravbet, Mishnah Dalet. Notnin, Tavshil, avec toutes mes excuses pour les cours fatigués de la semaine dernière, apparemment j'étais en train de... J'avais le virus en incubation, c'est sûr, quoi, j'avais une grande faiblesse. Enfin voilà, je commence tout de suite. Notnin, Tavshil, Aleto, Chabor, Kede, Bijvil, Sheyeh, Shamour, Vet, Amaim, Ayafim, Baraim, Bijvil, Sheyeh, Tzanu, Vet, Atzonen, Bachama, Bijvil, Sheyeh, Chamou. Mishinacho, Kelav, Baderech, Bamaim, Malech, Bain, Ben, Choshesh, Egal, Echatzer, Chitzona, Shotran, Bachama, Aval, Lo, Keneged, Ha'am. Et on commence à traduire avec une Mishnah qui parle un petit peu de tout, de toutes sortes de sujets. Notinin tavshil letor abor bijvil sheyeh shamour. On a le droit de donner un plat, de mettre un plat dans un puits, dans un trou creusé, pour qu'il soit préservé. Bijvil sheyeh shamour, pour qu'il soit préservé, pour qu'il soit gardé, c'est-à-dire pour qu'il ne tourne pas. Imaginez qu'il fait chaud et vous avez à la maison un trou creusé. On a le droit de prendre le plat. Et vous le mettez dedans, comme ça, donc naturellement, le parterre est plus froid, donc ça refroidit le plat. Le chidouche de cette Mishnah, le partenaire explique que le chidouche, il est qu'on ne va pas craindre que peut-être que le parterre ne va pas être assez plat, et que tu vas machinalement l'aplanir. D'accord? Autre halakha, vetamaim ayafim baraim, bijul sheitzanu, et la belle eau dans l'eau, pas belle, c'est-à-dire, tu as un migvé, y a un migvé avec de l'eau désagréable, et tu vas rajouter de l'eau dedans. Et donc la Mishnah me dit, ben j'ai le droit de rajouter de l'eau. D'accord? J'ai le droit de rajouter de l'eau, c'est une évidence. Le chidouch, il est pour la suite. On a même le droit de mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude pour qu'elle se réchauffe. C'est surtout ça le chidouch. En fait, ça se passe comme ça. Il y a, concrètement, c'est lié aux lois de Atmana, en fait. Que mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude, ça, si l'eau chaude elle vient de Kli Rishon, ben d'ailleurs on n'a pas le droit de rajouter de l'eau froide. Imaginez que vous prenez une marmite à Shabbat d'eau, vous la retirez du feu, et vous voulez mettre de l'eau froide, vous n'avez surtout pas le droit de le faire. Si toutefois vous avez transvasé l'eau froide dans un ustensile, alors maintenant l'eau elle est dans le cliché, vous avez le droit de mettre de l'eau froide, et un chidouche qu'on ne craint pas, qui va peut-être machinalement être matmin baremes, qui va peut-être, du coup, qui va se mettre à enfouir ses plats dans des braises pour maintenir leur chaleur. D'accord? Autre halakha encore. Mishinashro kelav baderech bamaim. Celui qui a eu ses ustensiles qui se sont trempés, sur la route, d'accord? Quelqu'un est. Peu importe, il avait son manteau qui est tombé dans une grosse flaque d'eau, il est tout mouillé maintenant. Et maintenant, il ne veut pas laisser son manteau sur place, donc il veut le mettre. Et il veut le remettre avec lui pour rentrer chez lui avec. Comme ça, il sauve au moins son manteau. Alors le Mishnah m'enseigne justement, bien. Mais à l'herbène, ben rochesh, il peut marcher avec. Il n'y a pas de crainte à avoir, c'est-à-dire, maintenant on explique, il n'y a pas de crainte à avoir de peur qu'on va dire, ah, peut-être qu'il a lavé son manteau pendant Shabbat. Peut-être qu'il a lavé, regardez, il marche avec un vêtement tout mouillé, hein, il s'est sali, il a lavé, non, craint pas ça. Donc il a le droit de marcher avec cet habit mouillé. Mouillé, il faut préciser quand même. Il y a une autre Gemara, je n'ai pas pensé à la question, mais maintenant que je parle, j'y pense, qu'il y a une autre Gemara qui dit qu'on n'a pas le droit de marcher avec des vêtements dégoulinants en Shabbat. Parce qu'on porte l'eau. Peut-être qu'il faut dire que l'eau ne dégouline pas, le vêtement il est juste mouillé sans dégouliner. Je suppose comme ça qu'il faut dire. Maintenant, le Misham, c'est l'Igal Echatzer Al-Khitsona. Maintenant, il est en train de marcher avec son vêtement mouillé. L'Igal Echatzer Al-Khitsona, il arrivait à la cour externe, c'est-à-dire il avait. Peu importe, chez le partenaire explique qu'on parle qu'elle était. Il y avait devant la ville, devant les murailles de la ville, il y avait là-bas des chatzeros, il y avait des esplanades devant les murailles. Donc il est arrivé maintenant ce chatzer que maintenant il ne craint plus qu'il va se faire voler le vêtement. Alors la Mishnah m'enseigne que Shotran Bachama, il aura le droit de les étendre aussi, sous le soleil. Avalokenagadam, attention, pas face au peuple. C'est-à-dire, la Mishnah me dit comme ça, elle me dit, tu fais, maintenant il a un vêtement mouillé, il veut l'étendre à Shabbat, eh bien il a le droit de l'étendre sur un étendeur, mais pas dans un endroit où il est visible, de peur que les gens vont dire, ah, il étend son vêtement pendant Shabbat, peut-être qu'il a lavé son vêtement pendant Shabbat. Alors ça sort Mishum Maritain, mais quand il le fait Bechadre Chadarim, il le fait en cachette, alors là c'est permis comme ça, la Mishnah me dit, le Bartanoï de n'importe quelle Gemara, elle dit, non, c'est assourd, on ne tient pas comme ça, Gemara, Bemet, c'est une machloket. Tanaïm, et la halakha nous fixe que tout ce qui est interdit
aux yeux de tous, même Bechadur Khadarim, c'est interdit, c'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, de peur qu'on va être soupçonné d'avoir transgressé, eh bien même si on veut le faire ensuite, Bechadre Khadarim, dans un endroit où personne ne nous voit, de toute façon, ce sera quand même interdit à cause de Ritaïn. C'est le cas fréquent pour celui, un Israélien en France, qui va faire deux jours de fête, par exemple, qui l'assoit à cause de Maritaïn, qui n'aura pas le droit de faire de transgresser le deuxième jour de fête, même en cachette. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, comme tout ça.